La chambre. Veuillez vous asseoir. Bonjour tout le monde. Monsieur l'huissier, est-ce que vous pouvez conduire le prochain témoin que monsieur Marabi? Bonjour, monsieur le témoin. Oui. Vous parlez français? Je parle français, oui. Ok. Oui. Bien. Nous allons recueillir votre déposition. Oui. Et à ce que je sache, vous êtes un témoin victime partie civile. Est-ce cela? Oui. Bien, pour ce faire, nous allons vous demander déjà de décliner votre identité, c'est-à-dire dire à la cour vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Donc nous vous écoutons. Je m'appelle Marabi. Justin. Votre âge? Je suis né le 1er janvier 1953. Votre profession? Je suis militaire. Vous êtes toujours militaire? Je suis retraité. Ok. Votre domicile actuel? Je suis à Trône. Ok, merci. Bien, étant entendu que vous êtes partie civile, nous n'allons pas demander que vous prêtiez serment. Donc, nous allons vous écouter sur la narration des événements dont vous avez eu connaissance et que vous souhaiteriez partager avec la Chambre à l'occasion des événements dont la Chambre est saisie. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Oui. C'était en 83 que j'étais affecté dans leur brigade spéciale intervention rapide, BSIF. Et c'était une brigade qui sont créées uniquement pour la sécurité des DDS. En 84, je suis affecté comme chef de poste adjoint à un gendarme Niaobé Arnaud, d'où on a servi à la DDS.
Et il faut faire la narration de ce que ne vous préoccupez pas de la Chambre. Il faut dire ce que vous savez. D'accord. Tout est noté déjà. D'accord. Bon, les éléments, les agents de la DSS amènent les gens du quartier à Minin. C'est Issa Roy qui les interroge. Et il, c'est nos éléments-là, il appelle nos éléments pour attacher Arbatachar aux gens qu'ils les ont amenés. Les pieds, la jambe accrochée en haut, et c'est la tête en bas. Et il donne les ordres de taper les tibles. On le tape jusqu'à quand il continue à pleurer. On continue à le taper. S'il cesse de pleurer, il donne l'ordre de cesser de couper et enlever la corde, le type est tombé. Il détache la corde, on le prend pour aller jeter en prison. Bien, au moment de l'affectation, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, avant que vous ne soyez affecté à la Bessir, j'étais militaire. Vous étiez militaire. Oui. Donc, on voulait cette précision. Maintenant, vous pouvez continuer. C'est ça. Bon, on le prend, on le jette en prison. Et ensuite, les autres, ça va continuer comme ça. Et à 1h du matin, c'est même Issala qui prend le nom de. Les prisonniers là, 5, 6 avec lui, il part nous trouver, on a ouvert la porte, il les appelle, il dit voilà, ici c'est beaucoup serré, je vais vous déplacer, je vais les déplacer dans d'autres cellules. Et il amène les gens là sans revenir. Nous, on contrôle les. La cellule là, on ne trouve pas les gens qui les ont amenés. Et c'est ça son travail. Quand j'étais encore à la DDS, j'étais toujours en service à la DDS là, le président Sénabré même était venu la nuit avec ses éléments, ses gardes-corps, deux fois par mois. Et 6 mois après, je suis affecté aux locaux comme adjoint au régisseur à Bamoussa, d'où on travaille là. Aux locaux, il y a 4 cellules de garçons, une cellule de femmes. Les cellules de garçons, il y a A, B, D, c'est pour les détenus. Et c'est pour les prisonniers de guerre. Donc, les femmes dont leurs noms suivent, il y a Lokissam Rose, il y a Jeannette, il y a Fatimé, il y a Né Magilidi, il y a Né Lemuel Antoinette, il y a Félicité, il y a Rama. Donc les autres là, j'ai oublié leur nom. C'est là où on continue à travailler là. Moi j'ai, comme Abba Moussa, on n'est pas le papier, c'est lui qui tournait avec le 404 pour amener les morts en derrière. Mais moi je suis au bureau, j'ai fait la situation pour amener au directeur. Donc le manger des prisonniers, c'est des blés, sans décortiquer. Les gens mettent sur le feu et puis bouillir et les prisonniers mangent. Et le petit mil, sans décortiquer, ils amènent au moulin pour venir préparer la boule. Les malades, ils ne soignent pas les malades. Tu es malade, on ne te soigne pas. Donc, c'est ça qui provoque beaucoup de morts. Jusqu'à 2005,
mois de janvier, le 9 janvier. J'ai acheté le pain avec la viande donnée à 3 prisonniers qui les ont amenés de Mundu. Dans leur nom suivent, c'est Ndongaba Michel, Dolton Gaston et Asalia Jarus, chef de canton de Bekri. Quand je les ai donné de manger, c'est brusquement le directeur était venu aussi pour visiter les prisonniers. Et il les a trouvés avec le manger. Il leur demande que, qui vous a donné à manger de pain. Ils ont dit c'est le régisseur adjoint. J'étais là avec eux, c'est moi qui ouvrais la porte. Bon, moi j'ai dit, mon directeur, c'est moi qui les a donné. Il a dit pourquoi. Ils ont amené les gens pour mourir et moi, je les donne, ce sont des coudeaux et je les donne à manger, pourquoi. J'ai dit non. Mais si pour mourir même, il faut le manger et l'eau, là, il faut donner quand même. Il dit pour, comme ça, il appelle Issaroué de l'enlever, mais c'est sûr, et puis mettre en prison. Ils ont enlevé mon chaussure, prendre la clé avec moi, ils m'ont mis en prison. Le 9 janvier, ils m'ont mis en prison jusqu'à janvier 86, en février. Là, c'est lui-même, il est parti m'appeler. Le matin, comme ça, ils ont ouvert les prisonniers pour prendre le demi-puits là, pour les gens s'y dedans pour aller laver au bord du fleuve. Et il m'a appelé, il dit, bon, maintenant, comme il y a les prisonniers sont nombreux, prisonniers de guerre et politique, donc j'ai choisi 3 personnes avec moi pour m'aider à enterrer les gens. Et je suis d'accord. J'ai appelé Clément Baipouda, Jackson et Sabadé. Ils sont, on a passé, on dort ensemble à même cellule. Donc je les ai expliqués, ils sont d'accord avec moi. Et chaque matin, quand ils ouvrent la porte, nous, c'est de ramasser les morts par cellule. Si c'est 5, 6, on ramasse par cellule, on ramasse par cellule, on ramasse par cellule, on est stop. Et après, fini leur chose qu'ils ont mis déjà les gens en prison, fermé la porte et nous, on cherche pour aller enterrer. C'est comme ça qu'on continue, on continue, on continue. Jusqu'au mois de mars à avril, comme il fait chaud, les gens là, ils continuent à amener les prisonniers toujours. Et les détenus là-même continuent à les amener. Donc il fait chaud là. Le nombre de morts est augmenté. Tantôt on se trouve avec 45, 50, 60, 45, 50. 60, parfois 70, on les enterre. Même le même mois de mars et avril, là, on est parti à la gendarmerie pour. Il y a 30 personnes qui sont mortes sur place. Ils nous ont amenés à la gendarmerie pour le récupérer, aller enterrer. C'est ça notre travail. On continue à enterrer les gens à Bangos. D'ailleurs, en 1983, on est parti à Faya attaquer les Gountres et puis les Cédères. On a pris Faya, on a envoyé les prisonniers là en avion, ils les ont amenés en Djamina. Bon, les Gountres sont revenus nous pousser, prendre aussi Faya avec nous. Nous, on est venus jusqu'à Salal, rester à Salal, comme les lignes rouges
à Salal, nous sommes là avec les Français à Salal. Il a envoyé, et après a envoyé le message, il faut qu'on avance à Kouba et Kourotoro. On l'attend là-bas. On est parti rester là-bas. Lui-même, il est parti nous trouver. On est parti. La deuxième attaque, parti à Faya. On a pris Faya encore. On a amené les prisonniers. On a envoyé les prisonniers ici. Et à ce moment-là, on continue maintenant l'opération devant nous. Et ça, nous, les gens de brigade, nous sommes revenus en Djamina. Nous, là, on retourne en Djamina. C'est ça. Et moi, j'ai continué à enterrer les morts là jusqu'à le 26 juillet 86. Quand le coup d'eau sont ralliés, là, il y a mon nom. Ils ont amené mon nom. Ils disent que moi, je suis libéré. Ils nous ont libérés. Amené à la direction. Le directeur nous a dit que voilà, voici les trois bruits qui sont devant nous. S'il vous plaît, c'est à quel moment c'est, vous pouvez donner la date de votre libération ou pour... Le 26 juillet 86. Et on est parti sur le directeur, il dit bon, regardez le toit. Trois gouris qui sont là-bas. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas parlé. Donc, si quelqu'un qui repart, qui part et puis raconte la vie de la DDS, quand on le prend, c'est directement pour jeter dans l'eau. Lui, on ne le garde pas maintenant en prison. Bon, on a quitté là-bas. On est parti au ministère de l'Intérieur. Ces temps-là, c'est Brahim Itno qui est ministre de l'Intérieur. C'est lui qui nous a réunis. Il dit, bon, voilà, vous êtes des détenus politiques. Et on a fait des recherches et il n'y a rien. On vous a mis en liberté. Donc, vous rentrez voir vos familles. Et 3 jours, 4 jours, vous amenez deux cartes, photos, on va vous délivrer le laissez-passer. Ça, on est parti à la maison, on a ramené les cartes pour délivrer le papier, pour nous donner. Et moi, j'ai regagné l'armée. Quand je suis libéré, je suis parti regagner encore l'armée. Parce que c'est de l'armée qu'on m'a affecté là-bas. Donc j'ai regagné l'armée. J'ai continué jusqu'à 2005 et je suis retraité. Bien, merci. Bien, monsieur le procureur, le témoin a fini sa déposition. C'est parce que vous avez des questions éventuelles à lui poser. Je vous remercie, monsieur le président. Nous avons entendu la relation des faits donc de Marabi Toujébé. Et nous avons remarqué qu'il fut un homme du système. Donc, il a été combattant des FAN, ensuite garde prisonnier au niveau de la DDS, régisseur adjoint à la prison Les Locaux et enfin prisonnier de la DDS. Je voudrais lui poser la question de savoir quand est-ce qu'il a été recruté au niveau de la BCI. C'est en 83. Comme soldat. Comme soldat, oui. Vous avez participé à la guerre de Faye-Larjou? Oui.
Est-ce que vous avez remarqué la présence d'Hissène Habré? Oui. Il y a eu des prisonniers de guerre faits parmi les éléments du Gunt et de la Ligue. Oui. Avez-vous une idée du nombre de ces prisonniers de guerre qui ont été transférés à N'Djamena? Non. Vous n'avez pas une idée du nombre? Je n'ai pas le nombre, je ne connais pas. Comment ils ont été transférés? À bord d'aéronefs ou bien à bord de camions? Un avion, ce n'est pas un camion. Où ils étaient parqués? Dans quelle prison? La prison, moi j'étais en brousse. Mm-hmm. Eux-mêmes, ils les ont amenés. Mm-hmm. Moi j'étais toujours en brousse. Bien, donc vous êtes rentré à N'Djamena et vous avez été nommé garde prisonnier à la DDS. Oui. Ça, c'était quelle année ça? C'est garde prisonnier, c'est en 84. 84. Oui. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait cette nouvelle fonction? Quelle nouvelle fonction? De garde prisonnier à la DDS. Quand j'étais garde prisonnier à la DDS, c'est en 84. Oui. Et j'ai gardé les prisonniers. Les prisonniers étaient où? Ils étaient en 84, les prisonniers étaient même lieu à la DDS même. La prison à la DDS même. À la DDS, il y avait combien de la DDS? Oui, il y avait combien de cellules là-bas? Il y en a deux. Avant la 84, il y en a deux. Il n'y avait pas encore la piscine? Non, non. La piscine, non. Donc deux cellules? Deux. C'était de petites cellules ou de grandes cellules? Pardon? C'est de petites cellules ou bien de grandes cellules? C'est les grandes cellules. Il y avait à peu près combien de personnes par cellule là? 200 à 300. Mm-hmm. Et ces prisonniers, ils venaient de la Bissire pour être acheminés à la DDS? Oui, oui. Il y a d'autres qui les ont amenés directement à la DDS. Il y a d'autres qui sont enfermés là-bas. Mm-hmm. Ils les ont entendus. Mais d'abord, ils les ont transférés aussi là. Vous dites que vous avez assisté à des séances de torture. Oui. Est-ce que vous avez participé, vous, à ces tortures? C'est à mes éléments, oui, de garde qui ont en train d'attacher les gens à Arbatacha. Et j'étais là avec eux. Et vous, vous attachez aussi, vous aussi? Non, moi je suis comme un chef. Et c'est au cours des interrogatoires qu'on les attachait? Non. Quand tu dis la vérité ou tu ne dis pas la vérité, bien. Donc, vous avez assisté à quelle forme de torture? Pardon? Les formes de torture. Pour torture, c'est... Ils les ont attachés les pieds en haut et on le tape. Les pieds en haut, la tête en bas? Oui, la tête en bas. Et on les tape. Oui, jusqu'à quand tu pleures, on continue à te taper. Si tu as saisi de pleurer, à ce moment, on détache la corde. Et à part cette forme, est-ce que vous avez eu à assister à d'autres formes de torture? Il n'y avait pas l'arbatacha? Lamentation. L'arbatacha. Arbatacha? Oui. Et c'est ça, ils les ont attachés d'abord les bras avant de... accroché en haut. Parce que l'arbatacheur, on nous dit qu'on attachait les coudes derrière le dos avec les jambes. Non, mais c'est comme ça. On attache les jambes derrière. Mais c'est différent d'une personne qui est attachée, les pieds en l'air, la tête en bas. Ce que moi j'ai vu, c'est ça. C'est bien, il faut être précis. Vous avez vu seulement des personnes attachées, les pieds en l'air, la tête en bas.
et qui était frappé. Et ça, c'était à quel moment de la journée? C'était le jour ou la nuit? Le jour. Le jour. Oui. Même la nuit. Mm-hmm. Quand il les amène seulement. Mm-hmm. Vous avez eu à apercevoir M. Hissène Habré au niveau de la DDS? Pourquoi pas? J'étais là, chef de poste là. Oui. Il partait à trois gardes, quoi, quatre, comme ça. Mais c'était le jour ou la nuit? C'est la nuit. Et qu'est-ce qu'il disait? Vous ne savez pas? Non. Est-ce que c'est... C'est avec le directeur là-bas, moi je ne peux pas... Avec quel directeur? Salih Younous. Salih Younous. Oui. Est-ce qu'il était très fréquent au niveau de la DDS, M. Hissène Habré? Deux fois par mois. Deux fois par mois? Oui. Bien. Donc, après les interrogatoires et les tortures au niveau de la DDS, vous avez été affecté comme adjoint au régisseur adjoint, oui, au niveau de la prison des locaux. Oui. Qui en était le régisseur? C'est Abba Moussa. Abba Moussa. Est-ce qu'Abba Moussa a été instruit ou bien il était illettré? Non, lui, il ne connaît pas le papier. Il ne connaît pas? Oui. Il était illettré ou bien il était instruit? Il ne connaît pas le papier, c'est moi l'adjoint là qui travaille. C'est vous qui travaillez? Oui. Vous contrôlez? Est-ce que vous faisiez des rapports sur les conditions? Voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai fait les situations de vivants, des morts, des malades, chaque matin, pour remettre au directeur. Lui, il ne pouvait pas faire des fiches ou bien des rapports? Non. Peut-être verbalement, oui. Pardon? Oui. Je n'ai pas entendu. Hein? Je n'ai pas entendu. C'est-à-dire, verbalement, il va peut-être faire des comptes rendus verbalement, mais écrit, il ne connaît pas. Bien, vous dites qu'il y avait donc quatre cellules. Oui. Donc c'était A, B, C, D. Oui. Et une cinquième cellule. Pour les femmes. Pour les femmes. Oui. Et quelles étaient les conditions de détention dans ces cellules ABCD? C'est les conditions où il n'y a pas de manger. Mm-hmm. Ils ont c'est des blés là, ils grillent ça pour donner aux prisonniers. Et le petit mille, sans décortiquer, ils amènent au moulin pour préparer la boule et puis les prisonniers mangent. Et ils sont malades, on ne les soigne pas. Est-ce qu'ils n'arrivaient pas qu'on égorgeait des vaches pour servir à manger aux prisonniers au niveau des locaux? Le prisonnier? Oui. Non. Il désigne les chefs de poste. Mm-hmm. C'est le chef de chambre et il amène, il leur met dedans et puis il mange là-bas. Mm-hmm. Dedans, dans la prison. Mais est-ce qu'il y avait des toilettes au niveau de ces cellules? Oui, il y a les gens qui, le matin, à 8 heures comme ça, qu'ils enlèvent les gens pour aller laver leurs demi-fuits là. Et il y a d'autres qui sont encore valides, ils partent en toilette. Les gens qui ne sont pas valides, ils sont là en prison. Donc, il n'y avait que des fûts, quoi, qui servaient de toilette, je ne sais pas. Hein? Bien. Au niveau de ces cellules, vous dénombrez combien de morts par jour? Où? Au loco. Oui. Oui. Hein? Par jour, il y avait combien de morts? 5-6. 5-6? Oui. Et qui s'est chargé de les enterrer? C'est le prisonnier. C'est Moussa qui est chargé. Quand je travaille encore là, c'est Abba Moussa qui est chargé d'enterrer les morts. Et quel était le véhicule utilisé pour transporter? 404. Et ces cadavres étaient enterrés où? Pardon? Ces cadavres étaient enterrés où? Enterrés à Madagascar. Amral Goz. Oui. Vous avez dit que pendant les périodes de chaleur, le nombre de morts était sensiblement élevé.
Oui, en mars et avril. Ça, c'était dû à quoi, ce taux de mortalité? C'est la chaleur et le problème de manger, de malades aussi, tout. Vous pouvez nous préciser le nombre de morts journaliers pendant ces pics de chaleur? Je parlais de 45, 50, parfois 60. Est-ce que ces cadavres-là pouvaient être contenus dans une pick-up pour les enterrer? La brigade. Les pick-up, la 404 bâchée, est-ce qu'elle pouvait contenir tous ces cadavres-là, une soixantaine de cadavres? Non, il y en a comme ça, on demande mes gros porteurs pour ramasser avec ça. On demande, oui. Ils amènent de quartier. Pour ramasser ça, amener. Si il y en a 30, comme c'est 404, il amène 6, 7, il revient, il amène 7, 6, comme ça. Il fait bas et vient. C'était le seul véhicule qui transportait les cadavres? C'est le seul, 404 bâchés. Il n'y avait pas de camion? Non. Des véhicules de l'armée qui faisaient le transport? Il y en a, mais ils n'ont pas utilisé, c'est les 404. Bien, parlons de la cellule des femmes. Donc ces femmes-là étaient gardées par des gardiennes ou bien par des gardiens? Ces gardiens. Il n'y avait pas de femmes qui s'occupaient du gardiennage des dames? Non, il n'y a pas une femme dans notre brigade. Il ne nous est pas arrivé de constater des cas de viol, ou bien d'entendre parler de viol ou de violence sexuelle sur ces femmes-là, par non. Des gardiens? Non. Et y avait-il eu des femmes enceintes au niveau de cette cellule et qui ont eu accouché? Là, moi, je ne sais pas. C'est une femme seulement qui a... Ils l'ont pris avec son enfant, mais sinon, femme a accouché à la DDS, là, peut-être c'est derrière moi, quand j'étais libéré, peut-être. Je n'ai pas vu. Vous avez parlé du cas de Lokissim Rose. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à propos de cette dame incarcérée donc, à la cellule E? Elle était à la cellule E ou bien à la cellule C? Il est avec les autres, mais c'est Issa Roy qui est venu le prendre. Il dit qu'il va le déplacer, mais jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé son corps. C'est lui le seul, mais les autres là, sont libérés avant de mourir. Et c'est lui le seul, là, on n'a pas retrouvé son corps. Elle était à la cellule des femmes ou bien dans une autre cellule? C'est avec les femmes, les autres femmes là. Vous avez assisté à son extraction, c'est-à-dire? Où là? Lorsqu'on l'a sorti? Oui, ce temps-là, j'étais là encore. Non. Vous n'en connaissez pas les motifs? Non. En tant qu'adjoint au régisseur? Ils nous disent qu'ils vont les déplacer, quelques cellules. Oui. Sinon, ici, là, non. C'est ça seulement, nous, on ne le connaît pas. Ouais, puis elle n'est plus revenue. Plus revenue. Juste aujourd'hui. Et les autres femmes n'ont pas été transférées sous vos yeux? Il y a Antoinette et Rama qui les ont amenées à Kalaït. Kalaït se trouve où? Kalaït, à l'est. Vers Fada. Oui. Et quels étaient les motifs de ce transfert de ces femmes vers Kalaït? Ils disent qu'ils les ont amenées en prison là-bas. Pourquoi faire? Vous ne savez pas les motifs de ce transfert? Non. Bien. Donc, au niveau des locaux, il n'y avait pas à manger pour les prisonniers? Non. Donc, vous avez eu pitié de deux prisonniers auxquels vous avez offert du pain et de la viande que vous avez acheté vous-même? Oui, j'ai acheté pour les trois là seulement, mais le prisonnier, si j'ai parlé de blé,
sans décortiquer, et puis il cuise ça pour donner aux prisonniers. Et le petit mille aussi, sans décortiquer, ils amènent au moulin pour préparer la boule. C'est ça. Et qui vous a surpris en train de leur donner à manger? C'est le directeur même, Salih Younous. Salih Younous. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit qu'ils amènent les gens pour mourir, pourquoi je les donne à manger. Donc il dit qu'il met en prison des gens pour qu'ils meurent et vous leur donnez à manger. Oui. Et quelle a été la suite qui vous a été réservée? Moi, je les ai dit, même pour tuer, même il faut donner à manger et donner à boire. Pourquoi on ne peut pas leur donner à manger? Il dit pas. Pourquoi j'ai dit ça? C'est ça, ils m'ont mis en prison. Donc c'est pour ces raisons que vous avez été emprisonné? C'est ça. Dans quelle prison? Même prison. Au niveau des locaux même? Des locaux même. Jusqu'à je suis sorti là. Et c'est lorsque vous avez été donc emprisonné qu'on vous a confié à nouveau la tâche d'aller enterrer les cadavres encore? Oui. Et qui vous aidait dans cette tâche-là? Le Clément Abouda, le Jackson, le Sabadé. Nous sommes quatre. C'était uniquement le ramassage? C'est uniquement, on est resté là, c'est pour... Des cadavres au niveau des locaux? Des cadavres enterrés. Des locaux seulement ou bien dans d'autres prisons? C'est de nouveau, il y a un celui-là au camp des martyrs. Vous faisiez le tour des prisons pour ramasser les cadavres ou bien vous vous limitez seulement à la prison des locaux? Non. Est-ce que vous vous limitez seulement à ramasser des cadavres au niveau de la prison des locaux ou bien vous continuez dans les autres prisons pour ramasser les cadavres? C'est ça, j'ai dit qu'il y a la prison au camp des martyrs. Ouais. Et au moment où les 30 prisonniers sont morts, locaux de la gendarmerie. On est parti ramasser aussi là-bas pour enterrer. Bien. Tout ça, vous faisiez, avant même que vous ne soyez emprisonné, vous faisiez des rapports sur les décès et les conditions de détention. Pour avant. Oui, avant, oui. Oui. Et à qui rendait compte le registre des locaux? Des locaux. Oui. J'ai fait le rapport, c'est Abba Moussa qui amène donner au directeur Salih Younous. Est-ce que vous croyez que tous ces rapports-là parvenaient même à Hissène Habré? Non. Je ne sais pas. Mais quand même, le directeur en avait été saisi. Oui. Est-ce qu'il y a eu des améliorations à la suite de ces rapports? Sur les conditions difficiles, sur les morts. Est-ce qu'il y a eu des soins qui ont été apportés aux prisonniers? Est-ce que la qualité de la nourriture a été améliorée suite aux nombreux rapports et à vos constats? Vous avez compris? Avant même, je vous ai dit que Les prisonniers sont malades, on ne les soigne pas. De manger, c'est de blé, sans décortiquer, qu'ils préfèrent donner aux prisonniers. Alors, ces problèmes de manger et de maladie-là, quand ça tue les gens. Vous en parlez dans vos rapports, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'y avait pas de suite, hein? Il n'y avait pas d'amélioration. Jamais. Je crois qu'on a fait l'essentiel. Voilà. Bien, je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Je m'excuse au conseil des partis civils plutôt. Merci, monsieur le président. Monsieur Arabi, Marabi, donc vous étiez le directeur adjoint, régisseur adjoint. Oui, régisseur adjoint. Répondant à une question de monsieur le procureur général,
Regardez, s'il vous plaît, regardez la cour. Répondant à une question de monsieur le procureur général, vous avez dit que ce sont les agents qui pratiquaient la torture, mais vous, en tant que chef, vous étiez là. Donc, vous voulez dire que ce sont les agents qui torturaient, mais vous, vous étiez là, en train de superviser. Oui. C'est-à-dire, c'est mieux. Quand ils donnent les ordres, c'est nos éléments. C'est nous qui prenons la garde, c'est nos éléments, mes éléments qui attachent les gens. Mais c'était notre curé. Ils ont donné, le directeur qui a donné ça. Moi, je ne peux pas refuser les éléments d'attacher les gens. Maître, pardon. Vous avez combien d'éléments alors Vous avez combien d'éléments pour cette tâche Éléments de garde, c'est chef de poste, adjoint et 5 éléments. Poursuivez, maître. Saviez-vous qu'il est interdit de torturer une personne humaine, de soumettre une personne à des actes de torture? Est-ce que vous le saviez? On connaît, mais c'est nos autorités. Ils ont donné l'ordre. Est-ce que vous pouvez préciser les autorités qui donnaient l'ordre de torturer? Moi, je suis commandé par le directeur de la DDS. S'il donne l'ordre, moi, je vais exécuter. Donc, c'est le directeur. Est-ce à dire que la pratique de la torture était systématique? D'après votre version, la personne qui entrait était systématiquement soumise à des actes de torture avant qu'elle ne soit transférée dans une cellule. Confirmer que c'était systématique. Par rapport à la cellule C, vous avez déclaré qu'elle était réservée aux prisonniers politiques. De guerre. Aux prisonniers de guerre. D'après vous, pourquoi on avait réservé cette cellule aux prisonniers de guerre? Parce que la cellule-là, c'est la fenêtre est en haut. Parce qu'il ne faut pas que les gens fuient. Donc, il n'y a pas de coin à respirer. Et la prison, là, c'est 5 sur 5. La longueur, la largeur, 5 sur 5. Donc, c'est là où on les met. Et les fenêtres, c'est en haut. Comment on qualifiait cette cellule? Quelle était la particularité de la cellule C? Il y avait un qualificatif qui était donné à cette cellule. Est-ce que vous connaissez comment on décrivait cette cellule? Je ne sais pas. Vous n'avez jamais entendu dire que la cellule C, c'était la cellule de la mort? Je n'ai pas. Moi, je ne connais pas. Mais vous étiez directeur adjoint. Vous ramassiez les morts. Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à la cellule C? Cellule C, parce que là-bas, eux, ils ont serré et il n'y a pas de respiration. Eux, ils meurent de plus que le détenu. Là également, est-ce que vous saviez que il y avait un traitement qui devait être réservé aux prisonniers de guerre et qu'on ne devait pas soumettre les prisonniers de guerre à un certain nombre de traitements, notamment un mouroir presque comme vous le dites. Est-ce que vous saviez ça ou c'est les ordres aussi? C'est les ordres. Nous, là, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça, c'est les ordres. Nous, on exécute. Et ma dernière question, donc vous faisiez partie d'un groupe de personnes qui étaient affectées à l'enterrement des personnes décédées, ce qu'on appelle communément les fossoyeurs. Donc vous faisiez partie avec Clément et vous dites avec deux autres. Oui. Comment vous les enterriez? Quand vous les ramassiez au niveau des cellules, vous les transportiez et arrivez à Amaral Gouz, comment vous faisiez pour enterrer ces personnes décédées en prison? Non, on creuse les trous, grands trous, comme les gens fabriquent des criques comme ça. Un grand trou, on le met tout dedans, on verse la terre sur eux. Et on continue devant comme ça.
Est-ce que selon vous, c'est ce qu'on appelle les fosses communes? C'est-à-dire, il n'y avait aucun respect des normes religieuses, de la dignité humaine. Vous creusiez, vous jetiez et vous mettez le sable. Voilà, je vous remercie. Oui. J'ai quelques questions à poser aux témoins. Vous aviez dit, Monsieur Marabi, tout à l'heure, que le président après venait deux fois par semaine, par mois, à la DDS. Est-ce vrai? Et moi, ce que j'ai vu d'abord, j'ai dit, j'étais là en service là, à la DDS. C'est pourquoi je l'ai vu. Est-ce qu'on vous, il y avait des dispositions particulières? Est-ce qu'on vous avisait? Votre chef vous disait que le président venait aujourd'hui? Non. Non. Et qu'est-ce qu'il lui faisait? Qu'est-ce qu'il lui faisait à la DDS? Non. Qu'est-ce qu'il faisait le président après? Qu'est-ce qu'il faisait à la DDS? Il est venu voir le directeur. Peut-être ils ont fait leur entretien. Je ne sais pas. Le directeur donc ne vous informait pas. Les rapports journaliers que vous faisiez sur la situation des prisonniers en détention, vous les remettez à votre chef, Saleh Younous. Et qu'est-ce qu'il en faisait de ces rapports-là? Moi, j'ai fait le nombre de morts, de vivants et de malades. J'amène à Saleh Younous. C'est lui qui doit peut-être envoyer au président ou dire quelque chose. Mais moi, c'est pour moi, c'est ça seulement. J'ai fait. Et il les a envoyés au président, ces rapports? Je ne sais pas. Moi, je l'ai réuni. Est-ce qu'il arrivait à Saleh Younous de vous dire qu'il allait rendre visite au président, qu'il allait à la présidence? Non, lui, il ne m'a pas dit. Vous avez dit qu'il y a eu deux femmes, Rama et Antoinette, qui ont été amenées à Kalaït pour être emprisonnées là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à Kalaït? Y a-t-il un camp militaire? Oui, il y a le militaire là-bas. On ne les a pas amenés pour servir les militaires? Je ne sais pas. Vous savez pas. Moi, je suis en Djamina et ils sont là-bas. Je ne sais pas. Avez-vous connu Garba Akai? Il a été détenu, je crois, à Koloko vers les mois de juin ou juillet 86. Garba. Okay. 86, là, moi, j'étais aussi en prison. Mais peut-être... Il est dans d'autres cellules, je ne sais pas. Je suis de 86, là, j'étais en prison aussi. Vous avez dit qu'il y a eu des prisonniers de guerre qui ont été faits lors des deux batailles pour la reprise de Faya Larjo. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et moi, de là-bas, nous sommes là-bas. On les a envoyés ici, en Djamina. Mais là où ils ont gardé, moi, je ne sais pas. Oui. Et lorsque vous ramassiez les cadavres, donc, où est-ce que vous les mettiez avant de les mettre dans la 404 bâchée là? Vous les mettiez où? Il y a le béranda. Il y a le béranda. On installe là, on ramasse, on installe. Après, d'abord, on les amène. Et lorsque vous les ramassiez, vous n'aviez. Parce que, bon, pour les musulmans, normalement, il y a un linceul. On les prépare. Est-ce qu'ils étaient mis quelque part ou bien vous les prenez juste pour les jeter dans la camionnette? Les musulmans. Non, c'est tout le monde. On ramasse tout le monde. Les mêmes trous, on met tout. Vous ne les mettez pas dans des sacs auparavant, non? Non, non, non. Il n'y a pas dans le sac. L'habit où on t'a pris avec ça, on t'enterre avec ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Marabi. Vous avez parlé de l'attaque de Faya Larjo de 1983. Vous avez dit, vous avez participé à cette guerre. Il y avait eu l'attaque de Faya Larjo. Après, vous avez replié. Puis, vous avez fait une contre-attaque. Et que à cette guerre, il y avait Hissène Habré. Participait-il à cette guerre? Oui. Il était avec nous. Et maman, il n'est pas parti. Mais quand on est replié là, il était parti avec nous. Et deuxième attaque là, il était avec nous. Et c'est à cette deuxième attaque que vous avez fait des prisonniers de guerre?
même avant, on a pris Fayela, on a envoyé les prisonniers. Après une semaine, eux, ils ont revenu nous attaquer à Faya, on est réplié. D'abord, on est revenu deuxième fois pour attaquer Faya pour prendre pour tout bon là. Donc, lorsque vous avez fait des prisonniers de guerre, oui. Il leur a rendu visite. Qui? Sénabré. Mais nous, quand il était là, lui-même, il est là. D'abord, il nous a donné l'ordre pour amener les gens à l'aéroport pour amener à Djamina. Ici, vous avez répondu à ma deuxième question parce que je cherchais à savoir, oui. Est-ce que celui qui a donné l'ordre de transférer ces prisonniers de guerre, parmi ces prisonniers de guerre, y avait-il des blessés? De qui? Des blessés. Oui, il y en a. Et qu'est-ce que sont devenus ces blessés? Je ne sais pas. Eux, ils ont amené à Djamina. Moi, je suis en opération. Je ne sais pas. Merci, Chanel. Je ne suis pas venu avec eux. Monsieur le Président, j'ai quelques questions à poser. La première à propos, monsieur est militaire, de sa formation. Oui. Je sais combien il est difficile de devoir dire des choses comme celles qu'on entend ce matin, mais d'abord, vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question, mais je voudrais savoir ce que vous avez appris dans vos formations. Est-ce que vous aviez une formation où on vous indiquait que parfois on pouvait refuser certains ordres? Avez-vous reçu des leçons vous disant « quand un ordre est illégal, je peux le refuser » ou bien pas du tout? Non. Vous n'avez donc pas reçu de formation à ce propos. Vous savez que quand votre conscience l'interdit, vous n'êtes pas obligé d'exécuter un ordre manifestement illégal. C'est ce que vous avez fait en donnant du pain. Vous le saviez. Ou bien c'est votre conscience qui, à un moment donné, écœurée, vous a dicté ça. Je comprends l'émotion, mais... Maître, je crois essayer de parler ce qu'on a l'habitude de dire en français facile. Oui, oui, mais j'essaye. Que... Oui, je ne comprends pas, mais j'ai essayé encore on va, à l'effet qu'ils puissent comprendre votre question et pouvoir lui répondre. Dans le cas, au contraire, mais... Je la formule tout simplement. Quand vous avez donné le pain, c'est parce que c'était trop et que vous n'en pouviez plus de voir ce que vous voyez? Vous avez donné du pain. Or, c'était interdit. Pourquoi l'avez-vous fait à ce moment-là? Parce que c'était trop, parce que votre conscience n'en supportait plus. C'est interdit. Pardon. Parfois, tu seras obligé de faire. Pourquoi parfois vous êtes obligé? Pardon. Pourquoi vous avez dit que parfois vous êtes obligé de donner à manger, mais pourquoi parfois vous êtes obligé? Mais c'est ma conscience. Je les ai vus comme ça, c'est très, très fort. Ils sont malheureux. Là, je suis obligé de leur donner. C'est ça. À un moment donné, vous n'avez plus accepté de les voir mourir de faim. Pourquoi ces deux-là? Je vais évidemment passer une autre question. Je comprends pourquoi on ne peut pas répondre dans cette émotion, mais je voudrais tout de même savoir, monsieur, si pendant votre détention, vous avez été détenu pendant plusieurs mois, vous avez eu l'occasion de voir, puisque des gens mourent autour de vous, un médecin, un infirmier. Je viens de dire que il y a des infirmiers, mais ils ne soignent pas les malades. Mais ils ne soignent pas les malades. Mais oui. Pour vous, vous n'avez pas eu l'occasion de voir un médecin passer
Nous, on est là pour rendre compte. On n'a pas la force pour aller chercher quelque chose pour sauver les gens. Je reviens. Quand vous étiez détenu, vous n'avez pas de vue de médecin, vue d'infirmier? Il y en a, mais ils ne soignent pas. Mais ils ne soignent pas. Oui. Vous avez... Ils ont donné les ordres là-bas de venir voir le malade, mais il ne faut pas le soigner. On ne sait pas. Vous avez vu un procureur, un juge, vous avez vu quelqu'un qui s'intéressait aux conditions de détention? Ou bien vous n'avez vu personne que des militaires qui gardaient des prisonniers qui mouraient? Quand vous avez vu, vous l'avez dit, M. Abré, il était habillé comment? Changé à l'habit. Pardon? Monsieur le témoin, lorsque vous parlez, il faut parler dans le micro. Oui, parce qu'on voit que très souvent, vous vous inclinez pour parler, alors qu'il faut parler dans le micro. Parce que j'écoute mal. J'ai mal aux oreilles. Oui, mais essayez de parler dans le micro. Merci. Donc, je vous demandais comment était habillé M. Abré, vous l'avez vu? En jalabia. Et il parlait à qui? Il parlait à des supérieurs ou il parlait à des gens qui avaient votre grade? J'ai dit, venez aller voir le directeur de la DDS. Ils ont rentré. Moi, je ne sais pas quel problème ils ont tenté de faire. Je ne sais pas. Moi, je suis élément de garde. Je suis dehors. Je ne suis pas rentré. Il allait dans la salle où on torturait? Non. Il allait chez le directeur avec des prisonniers? Non. Quand vous l'avez vu pour la dernière fois, vous étiez détenu? Quoi? Quand vous étiez détenu, vous l'avez vu? Oui. Une dernière question. Vous avez dans les archives été repris comme détenu à la cellule A des locaux, vous en avez parlé. Vous avez prévenu les enquêteurs qu'il y avait une soixantaine d'autres personnes. Vous avez, à mon avis, dans ce que vous avez expliqué, été détenu dans plusieurs cellules. La cellule A, avec 60 personnes, était celle où parfois on ne pouvait pas s'asseoir, parfois on devait alterner, les uns s'asseyaient, les autres se couchaient. C'est cette cellule-là que vous décriviez. Pour faire vos besoins naturels, vous alliez où? Les besoins naturels, voilà. Ils ont des demi-puits, mettre dedans même avec les prisonniers ensemble. Vous restez, vous mettez les petits bancs dessus et vous restez là, vous faites vos besoins. Et demain matin, vous prenez ça pour aller laver et puis ramener. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, le témoin était en train de dire que c'est à cause du fait qu'il a donné du pain et de la viande à un prisonnier qu'on l'a sanctionné en le coffrant lui aussi. Alors, après cela, combien de temps a-t-il mis dans cette prison? J'ai fait un an et 7 mois. Après avoir été mis en prison, vous avez mis un an et 7 mois. 7 mois. Oui. OK. Donc, après cela, c'est après les 1 an et 7 mois que vous étiez sorti et oui. On vous a demandé, on vous a maintenant confié la charge d'enterrer les gens. Non, ça là, oui. Je suis libre déjà. OK. Oui. Donc, quand vous étiez dedans, vous étiez en train d'enterrer les gens avec 3 autres collègues ou bien 4 autres collègues, c'est ça? Oui. Si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, quelle était la difficulté que vous avez prendre les morts dans toutes les prisons? Vous avez eu à dire qu'à un certain moment, ça allait jusqu'à 60 et 70 morts. Oui. Vous avez ces cadavres tous les jours devant vous. Qu'est-ce que vous avez comme impression? Tous les jours, vous avez des cadavres à ramasser. Mais nous, on pensait que demain aussi, nous serons ça. Nous serons enterrés comme ça aussi.
Donc, c'était aussi... C'est un travail difficile qu'on vous a confié. C'est ça. OK. Lorsque vous avez dit que vous avez vu des femmes qui étaient là avec vous dans la prison, et finalement, c'est la dame Rose, vous ne connaissez pas son sort, vous dites. Oui. Vous ne connaissez pas. Elle était là, elle était... Qu'est-ce qu'elle faisait dans la prison? Elle n'était pas en train de dénoncer les situations que vous vivez dans la prison, dans des petits bouts de papier? Non, je ne sais pas. OK, vous ne connaissez pas. Oui. OK. Et donc, vous avez eu à souligner aussi que le président venait deux fois par mois visiter les prisons, même s'il ne visitait pas toutes les prisons, il passait voir le directeur et il causait avec lui. Lui, le président n'a jamais visité le prisonnier un jour. Moi, je n'ai pas vu. Et il causait quand même avec le directeur. Oui, mais c'est avec lui. Et il lui rendait compte de tout ce qui se passait. Oui. OK. Et donc, si je comprends bien, ça veut dire que tout se passait au vu du président de la République, au niveau de la prison. C'est ça. Voilà. Vous étiez donc... vous avez dit tout à l'heure que les conditions étaient telles que l'alimentation, c'est-à-dire le blé... Oui. Qu'on mettait seulement en bouillie, oui. Et que les prisonniers mangeaient. C'est ça. Voilà, c'est du blé bouilli et du mil aussi bouilli, oui. Ou bien écrasé, je ne sais plus. Sans décortiquer aussi. Voilà. Et puis les toilettes, c'était à l'intérieur même, c'est-à-dire de vous vous défectez là, vous êtes là devant et vous avez tout l'odeur possible. C'est ça. Voilà, toutes ces conditions étaient là. C'est ça. OK. Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini. Merci. Ça en est fini au niveau du Conseil des parties civiles. Votre micro, s'il vous plaît. Bien, le témoin est à la défense. Merci, Monsieur le Président. J'ai juste quelques petites questions à poser à Monsieur Marabi Toudjibégé. Monsieur Marabi, vous avez expliqué à la Chambre les circonstances dans lesquelles vous avez été mis aux arrêts. Je voudrais vous demander si vous savez qui avait donné l'ordre de votre arrestation. J'ai dit c'est Salih Younous qui a donné l'ordre à Issa Rouaï pour mettre en prison. Merci. Pour votre libération aussi, vous nous avez dit que vous avez été présenté au ministre de l'Intérieur à l'époque, qui se trouvait être Brahim Itno, et qu'il vous a déclaré que vous étiez des détenus politiques, qu'on avait cherché, mais qu'on n'avait rien trouvé contre vous, et que vous étiez désormais libre. C'est ça. Est-ce que vous avez compris pourquoi, après avoir été arrêté par Salih Younous, sur ordre de Salih Younous, directeur de la DDS, pour votre libération, on vous a amené chez le ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi? Non. Premièrement, ils nous ont amené, c'est le directeur Salih Younous. Oui. Ils nous ont présenté. Oui. Il a dit, voyez, voici les trois bruits qui sont devant vous. Et ne parlez pas, ne regardez pas, n'écoutez pas. Avant de nous continuer jusqu'à chez le ministre de l'Intérieur là-bas. Donc nous, quand ils nous ont mis en liberté, nous savons qu'on n'a rien fait. Ils ont libéré nous, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mais vous étiez régisseur adjoint. Oui. Vous êtes arrêté sur ordre du directeur de la DDS.
Mais pour votre libération, on vous amène jusque chez le ministre de l'Intérieur. Vous ne comprenez pas un peu pourquoi? Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur vient-il faire dans tout ça? Lui, ministre de l'Intérieur, quand il nous voit, ce sont des gens de la DDS qui nous, c'est la présidence qui nous met en liberté. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Vous n'avez pas compris, je n'ai pas compris que la question arrive. Oui. Vous n'avez pas compris oui. que le directeur de la DDS oui. qui a donné votre ordre d'arrestation oui. a eu besoin pour votre libération de vous amener jusque chez le ministre de l'Intérieur, simplement parce que le ministre de l'Intérieur était l'autorité de tutelle de la DDS. Vous n'avez pas compris cela? Vous n'avez pas compris. Très bien. Maître, est-ce oui. qu'il comprend ce que c'est l'autorité de tutelle? L'autorité de tutelle. Ah, il était directeur adjoint, de régisseur adjoint. Oui, mais je suppose. Peut-être. Je peux lui expliquer okay, ça. Si vous estimez qu'il a compris, mais tant mieux, on peut passer. Je peux lui expliquer ça. Expliquez-moi, moi je ne connais pas. Oui, je vais vous expliquer. Oui. L'autorité de tutelle. Oui. C'est l'autorité, disons, la personne sous la responsabilité de qui oui. le service oui. est placé. C'est ça. La DDS est créée par décret présidentiel. Oui. Le même décret, en son article 2, dit que par délégation permanente, oui. cette DDS est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la sécurité, qui donc, par ce fait, assure la tutelle sur la DDS. C'est ça ce qu'on appelle l'autorité de tutelle. Mmh. Alors, je vous pose maintenant la question de savoir, est-ce que vous compreniez pourquoi, après avoir été arrêté mmh. par la simple volonté de Salé Younes, mmh. pour votre libération, il a eu besoin de vous amener jusque chez le ministre de l'Intérieur? Vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi. Il a compris, parce que quand on est libéré, ils nous ont amenés même chez lui. Chez lui avant de nous amener là-bas. D'accord, je passe. Maître, je voudrais peut-être une précision oui. à son niveau. Oui, allez. Parce qu'il semblait dire qu'on lui a demandé de regarder trois gorilles. Trois gorilles, oui. C'est quoi les trois gorilles? Ce sont des animaux. Mm. Mais il dit que quand tu... Des animaux vivants? Non, hein. C'est des images. Ah, ce sont des images oui. qui étaient posées sur son bureau. Oui. Et comment c'était représenté? Il vous a demandé de le regarder. C'est-à-dire qu'on est libre déjà. Mais arrivé au quartier, il ne peut pas déclarer les choses qu'on a vues en prison ou à la DDS. Et les gorilles, là, c'était comment? Comment ils étaient présentés? Ils sur étaient la table. Trois. Ah. Et comment c'était bon. Les trois, là? Il y a un qui faisait ça. Uh-huh. Il y a un qui faisait ça. Ah oui? Il y a un qui fermait les yeux. Ah d'accord, c'est ce que je voulais comprendre. Je n'ai pas entendu. Ok, pas okay merci. Voilà. C'est cette précision que je voulais, quoi. C'est ça. Merci. Monsieur Maître, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur... comment il s'appelle? Marabi. Vous étiez soldat, combattant. Vous avez combattu au moins à deux reprises à Fayal-Archo, n'est-ce pas? Oui. Vous combattiez contre qui? Contre le Gunt et CDR. Contre le Gunt et? CDR. CDR. Oui. Très bien. Vous étiez dans les rangs des forces armées tchadiennes. Oui. Et il vous arrivait de faire prisonnier des éléments du Gunt et de CDR. Oui. Très bien. Est-ce qu'il arrivait aussi que les éléments du Gunt et du CDR
tue des soldats de vos rangs? De là-bas? Oui. Moi, je ne sais pas. S'il nous fait des prisonniers, je ne sais pas s'il tue ou il ne tue pas, je ne sais pas. Dans vos rangs, dans les rangs, ouais, des dans, forces, le rang. Dans les rangs des forces gouvernementales, ouais, au nombre desquels vous étiez, est-ce qu'il vous arrivait d'avoir des pertes en vies humaines? Mais quand il y a les armes, il y aura toujours des morts. Très bien. Est-ce que vous savez ce que les forces combattantes qui étaient en face de vous faisaient de ces morts? De quoi? Vos adversaires. Oui. Est-ce que vous savez ce qu'ils faisaient de vos morts? Pour être plus précis, les enterraient-ils dans des fosses? Vous les rendaient-ils? Qu'est-ce qui se passait? Si y a le mort, on l'enterre. On les enterrait comment? On fait, c'est au nord, là, il y a des sables. On enlève le sable et on... Oui, mais ce que je veux dire, oui, s'il arrivait que vous enregistriez beaucoup de morts, vous étiez en temps de guerre, j'imagine bien que le temps vous faisait défaut. Est-ce que vous pensez que ces forces contre lesquelles vous combattez et qui tuaient vos éléments avaient le temps de leur faire des forces? Non, là, vous lui demandez de spéculer. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il ne sait pas et vous lui demandez de dire est-ce que les autres qui n'ont pas vu, et c'est ce qu'il a dit. Maintenant, si vous lui demandez de deviner ce que les autres font, ça aussi c'est autre chose. Monsieur le Président, il y a eu des fosses communes un peu partout au Tchad. C'est là où se trouve simplement l'intérêt de ma question. Lui, il a enterré. D'autres ont enterré. Ceux qui ont été tués, ce ne sont pas seulement les prisonniers de guerre, ni ceux qui mouraient dans les prisons. C'est également les éléments des forces armées du Tchad qui étaient tués et qui étaient aussi enterrés. J'ai besoin de savoir... Maître, ce que j'ai dit, vous lui demandez par rapport... La question était par rapport à ceux, aux prisonniers tchadiens, aux combattants tchadiens, éventuellement fait de leur côté. Qu'est-ce que lui, il pense par rapport à ces prisonniers? Est-ce qu'ils ont... Les autres parties combattantes ont pu enterrer leurs témoins, leurs victimes ou pas? Ce que j'ai dit, mais si lui qui a déclaré que lui ne sait pas, vous continuez à insister qu'il donne la réponse par rapport à ces victimes-là, quelque part, ce serait extrapolé. Monsieur le Président, si vous estimez qu'il peut répondre à la question, il n'a qu'à répondre à la question. Monsieur le Président, c'est aussi une technique de la défense que de poser une question autrement pour voir si on peut tirer la réponse. Ça aussi, c'est une technique de la défense. Monsieur le témoin, donnez votre réponse et nous allons poursuivre. Je peux continuer. Monsieur le témoin, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que les autres parties, vos adversaires, oui, faisaient des victimes, oui, de la guerre? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Avait-il le temps, d'après lui, d'après ce qu'il pense, je reprécise la question. Selon lui, est-ce que le temps étant précis en temps de guerre, ces éléments du Gunt et des CDR avaient le temps de faire une tombe pour chaque militaire des FON tué ou alors les mettaient-ils dans des fosses communes? C'est ça la question. Selon lui, s'il sait, s'il ne sait pas, il dit qu'il ne sait pas. Oui, mais par où même? Quand vous avez repoussé les ennemis et les morts, ça te vaut d'enterrer tout le monde. On ne peut pas dire que c'est seuls les éléments de Gund, on ne peut pas les enterrer, les éléments de cette dernière, on ne peut pas les enterrer. On va enterrer. Les morts, là, on continue à enterrer.
Si on restait, on enterre les morts. Très bien. Dans les mêmes conditions de part et d'autre. Toujours. Très bien, c'est clair. Oui. Il vous arrivait également, je parle de vos éléments, qu'ils soient faits prisonniers par les Gount et les CDR. Certainement, ils ne tuaient pas tout ce qu'ils prenaient, parce que c'était des combats. Il y avait des tirs qui fusaient de toutes parts, des hommes tombés. Mais pour ceux qui étaient faits prisonniers parmi vous, est-ce que vous confirmez qu'il y en avait, parmi vous qui étaient faits prisonniers? Vous n'avez pas entendu la question? Oui, je n'ai pas bien compris. Vous étiez au front? Oui. Vous combattiez? Oui. Quand vous preniez le dessus, vous faisiez des morts, mais vous faisiez aussi des prisonniers. Oui. Et ce sont ces derniers qui ont été transférés à N'Djamena. Oui. Mais dans vos rangs, vous aussi, oui, vous enregistriez des pertes en vies humaines. Vous enregistrez également des prisonniers capturés par l'ennemi. Oui, dans ce dernier cas, est-ce que vous vous êtes interrogé sur le sort de ces prisonniers? Qu'est-ce que les éléments du Gount et des CDR, qui sont aussi des Tchadiens, ont fait de ces prisonniers? Parce que la procédure ne le dit pas. Mais ça, nous sommes des Tchadiens, mais les autres sont de l'autre côté, les autres sont ici, là. Vous devenez maintenant des ennemis? Mais comment? C'est nous, mais on se tue. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça ne vous inquiète pas que l'on cherche simplement à savoir ce qu'on a fait des prisonniers du Gount et des CDR et qu'on ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on a fait des prisonniers des forces armées tchadiennes qui combattaient pour la libération de la République du Tchad? Ce qu'on a fait d'eux, ça ne vous inquiète pas? Il ne répondra pas, je vous remercie, Monsieur le Président. Maître, ce que je vais demander en ce qui vous concerne, essayez de lui rendre la tâche plus facile en ramenant les questions que vous lui posez à son niveau. Si on veut que l'interrogatoire soit vraiment utile, il faudrait que le témoin puisse comprendre vraiment l'essence de la question. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Nous partageons parfaitement ce souci et je crois qu'il est d'intérêt pour tous, effectivement, que les questions soient posées dans un français, j'allais dire, basique, entre guillemets, sans que cela ait quoi que ce soit de péjoratif. Alors, bonjour, Monsieur Mourabi. Bonjour. Bonjour. Marabi. Oui. Alors, ça peut être Marabi, oui, comme ça peut être Marabaï. C'est la même chose. C'est la même chose, oui. Je vous remercie de la précision. Parce qu'effectivement, dans votre attestation de mise en liberté, c'est M. Marabaï. Peu importe, c'est bien vous. Alors, moi, mes questions vont être très simples, M. Marabi. Vous nous avez dit qu'en 1983, vous étiez militaire au BSIR, c'est ça? Non, ici, en 1973, j'étais dans l'armée. Non, on va partir de 1983, puisque vous avez été entendu dans le cadre de cette affaire-là. Merci. Voilà, pour des faits donc de 83, disons, à décembre 90. Merci. Donc, vous dites, en 1983, j'étais soldat en service à la BSIR, c'est bien ça? Oui. Quel grade aviez-vous? Quel était votre grade? J'étais caporal-chef. Vous étiez caporal-chef, très bien. Vous êtes lettré en français? Pardon? Vous êtes lettré
en français? Autrement dit, vous écrivez et vous lisez le français? Oui, j'ai... En 1964, j'ai mon CP. D'accord. C'est là que j'ai travaillé avec. Votre certificat d'études primaires. Oui. D'accord. Très bien. Alors, moi, je voudrais revenir sur cette période. En 1983, vous êtes affecté en tant qu'élément de la BSIR. Vous êtes affecté... Non, pardon. Et en 1984, vous êtes affecté à la DDS, c'est ça? Oui. En 1984. Vous avez fait combien de temps à la DDS exactement, à peu près? J'ai fait 6 mois. Six mois. D'aller à l'OCO là-bas. D'accord. Vous occupiez, vous exerciez quelle fonction à la DDS? J'étais garde prisonnier. Garde prisonnier. D'accord. Vous étiez bien garde prisonnier. D'accord. Et en 6 mois après, vous avez été, vous m'avez dit, affecté à la prison des locaux. Oui. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Et là-bas, vous aviez quel poste? Je suis à régisseur adjoint. Vous étiez donc l'adjoint du régisseur, qui à l'époque était M. Abba Moussa. Oui. D'accord. Vous avez déclaré que M. Abba Moussa était illettré. Oui. Mais que vous, vous étiez alphabétisé. Oui. Donc, c'est ce qui vous permettait de faire les rapports, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Donc, lui, une fois que vous faisiez les rapports manuscrits, comme vous dites, vous les remettiez à qui? À Al-Saleh Younous. Vous ne les remettiez pas à M. Abba Moussa? Non. Pourquoi? Lui, il travaillait. Il? Il part à gauche, à droite pour enterrer les morts, mais moi, je suis resté fixe. Donc, je l'ai montré, il dit bon, j'amène. Alors, c'est le régisseur qui partait à gauche, à droite pour enterrer les morts. C'est la raison pour laquelle vous ne lui donniez pas le rapport manuscrit que vous aviez rédigé, c'est ça? Non, je l'ai montré. Oui. Je l'ai montré, il me dit bon, moi-même j'amène là-bas. Ah. Il m'a donné l'ordre d'amener. Ah, vous lui montriez quand même votre rapport? Oui. Le rapport que vous aviez rédigé? C'est ça. D'accord. Vous le faisiez à chaque fois que vous faisiez des rapports ou de temps en temps? De chaque matin. Chaque matin. Très bien. Très bien. Donc, vous êtes dans la prison des locaux en tant que régisseur adjoint. Oui. Et un 9 janvier 1985, oui. Là on a une date précise, c'était un 9 janvier 1985, c'est vous qui le dites. Oui. Le directeur de la DDS, Saleh Younous, assisté de M. Issa Arouaï, son adjoint, ont effectué donc, comme on dit, une opération de contrôle, de vérification, et ils ont constaté qu'il y avait des prisonniers qui mangeaient du pain et de la viande. Ils ont interpellé ces prisonniers pour leur demander qui vous a donné à manger. Et ils vous ont, comme vous dites, désigné. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit sur le moment? Vous étiez là, vous, sur place, à ce moment précis? Ou est-ce qu'on vous a fait appeler ou... C'est moi qui ouvrais la porte. J'étais là avec eux. D'accord. Et on vous a mis aux arrêts pour ça? Et c'est... Le 9 janvier 1985. Oui. D'accord. Et vous êtes resté, donc, du 9 janvier 1985 jusqu'au jour de votre libération? Oui. Ce qui correspond à peu près à 18 mois, un an et demi, c'est ça? C'est ça. Très bien, d'accord. D'accord. Au début de votre déclaration, j'ai retenu que, en expliquant comment la DDS procédait aux arrestations, vous avez commencé un peu comme ça votre propos au début, vous dites les agents de la DDS amenaient des gens du quartier, les mettaient en prison et les laissaient là. Qu'est-ce que vous entendez par les gens du quartier? Oh, mais ce sont des agents, ils amènent les gens politiques ou les autres, je ne sais pas. D'accord. Ce n'est pas le quartier comme ça, on ne peut pas ramasser les gens comme ça, amener. Mais c'est les gens qui parlent mal du gouvernement ou ils font quelque chose, je ne sais pas. D'accord. Ils les ont amenés. Monsieur le procureur général vous a qualifié d'homme du système. Est-ce que vous considérez que vous êtes un homme du système? Monsieur le procureur général, tout à l'heure, en vous interrogeant, oui. vous a dit,
vous a qualifié comme étant un homme du système. Est-ce que vous, personnellement, vous vous considérez comme un homme du système? Oui. C'est-à-dire? Justement, le mot-là, je ne connais pas. Ah, voilà. Moi, c'est ce que je veux savoir. Je vous remercie, Monsieur Marabi. Merci beaucoup. On va pouvoir avancer. Alors, vous nous avez dit que, si je me trompe, vous me dites, vous m'arrêtez. Hein. Monsieur Marabi, vous nous avez dit que dans la prison qu'on appelle communément les locaux, il y avait 4 cellules et une 5e réservée aux femmes. C'est bien ça? Oui. Il y a la cellule A, la cellule B, la cellule C, D et E réservées aux femmes. C'est bien ça? Oui. D'accord. Vous avez déclaré également devant le juge que la cellule C était réservée uniquement aux détenus politiques, aux prisonniers de guerre, pardon. C'est bien ça? Oui. D'accord, très bien. Et vous avez été précis sur ce point, puisque vous nous donnez la dimension de cette cellule. Est-ce que vous vous en souvenez? Votre déposition, vous l'avez faite en février 2014, il y a un an et demi à peu près. Vous vous souvenez des dimensions de cette cellule? Les cellules C ou cellules B? C'est celle des... C'est 5 sur 5. 5? Sur 5. D'accord. Vous aviez dit 5 sur 6. On peut considérer que c'est bon? Hein? 5 sur 6. Vous aviez dit 5 sur 6. Et vous avez déclaré, juste après avoir donné les mensurations de cette cellule, vous dites qu'elle faisait 5 mètres sur 6. 4 mètres sur 6. Autant pour moi, vous avez dit 4 mètres sur 6. Et vous avez dit, dans cette cellule, il pouvait y avoir jusqu'à 600 à 700 prisonniers. Vous confirmez ça, toujours? Oui. Vous savez ce que ça représente à peu près 4 mètres? Est-ce que ça peut représenter 6 mètres? Quelle est la superficie? Si on prend que la largeur est de 4 mètres, et la longueur de la cellule de 6 mètres, quelle est la surface de cette cellule? La surface. Vous ne savez pas calculer la surface de cette cellule? D'accord, je comprends. Il n'y a rien de... D'accord. Donc, si on calcule la surface, pour calculer la surface de cette cellule, ça serait 6 mètres multiplié par 4 mètres. Ça ferait donc une cellule approximativement de 24 mètres carrés, je vous concède pour arrondir, parce que souvent on arrondit avec les chiffres, c'est une mode, on va faire 25 mètres carrés. Vous estimez que dans une pièce de 25 mètres carrés, on peut mettre jusqu'à 600 à 700 personnes? Vous avez une idée de ce que ça représente, monsieur Marabi, 600 ou 700 personnes? Est-ce que vous avez une idée, monsieur Marabi? Pardonnez-moi, monsieur le président, c'est la première fois que je prends cette posture. Si elle ne vous agrée pas, monsieur le président, messieurs de la cour, je retournerai à ma place. C'est simplement pour montrer quelque chose à monsieur Marabi. 25 mètres carrés, monsieur Marabi, je vous le concède. Pensez-vous que dans 25 mètres carrés, l'on puisse mettre 600 à 700 personnes, même à supposer qu'elles soient debout comme ça? Et qu'elle soit toute maigrichonne, c'est-à-dire mince, squelettique, même squelettique. Pensez-vous qu'on puisse mettre 600 à 700 personnes dans une pièce qui fait 25 mètres carrés? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Marabi? Vous avez peut-être une idée, non? Au moment où ils ont amené les prisonniers là, même s'il n'y a pas de place, on pousse le mat dedans. Oui, d'accord. J'ai compris. Alors, on vous pousse, on vous serre, on vous serre, on vous serre, et on en met même au-dessus de vous. C'est ça. Eh bien, ça ne peut pas contenir 700 personnes ou 600 personnes. Donc, cette déclaration ne vous paraît pas invraisemblable, incohérente? Je laisse la cour apprécier relativement à cette question.
600 à 700 personnes dans une cellule de 25 mètres carrés ou 24 mètres carrés. J'ai tourné et retourné la chose, même si on les alignait, on les superposait, on les allongeait, en les superposant, etc., on ne pourrait pas mettre 600 à 700 personnes dans une cellule de cette dimension. Vous disiez que lorsque vous alliez enterrer les morts, vous étiez, et vous le dites, je tiens à le préciser, parce que vous êtes bien prolixe dans ce procès-verbal. Vous dites que le véhicule était escorté par une douzaine de véhicules de marque Toyota, ayant à leur bord des militaires armés. Une douzaine de Toyota. Et vous, vous étiez quatre pour aller les enterrer, c'est ça ? Pourquoi autant de militaires ? Pourquoi y avait-il autant de militaires ? À supposer que dans chaque Toyota, on prenne par exemple une moyenne de 6 militaires. C'est-à-dire, mais ils pensent qu'on va fuir. C'est leur sécurité. Ah, donc vous pensez qu'ils envoyaient 12 Toyota chargés de militaires parce qu'ils avaient peur que tous les quatre, vous preniez la fuite. Vous ne pensez pas que deux véhicules de 6 militaires auraient largement suffi pour vous surveiller ? Vous ne trouvez pas peut-être que là également, vous avez un peu gonflé les chiffres ? Vous avez déclaré que, à maintes reprises, vous aviez vu Monsieur le Président Hissen Habré se rendre à la DDS. Je suppose que c'est pendant la période des 6 mois où vous étiez en service là-bas, c'est bien ça ? C'est pendant cette période de 6 mois. Vous disiez qu'il venait 2 fois par mois. Donc pendant ces 6 mois, combien de fois l'avez-vous vu ? Comment ? Pendant ces 6 mois, pendant cette période, puisque vous déclarez qu'il venait 2 fois par mois. Pendant ces 6 mois, combien de fois est-il venu à la DDS ? Pendant cette période de 6 mois où vous étiez en service à la DDS ? Parfois, il venait. Deuxième mois, troisième mois, il venait, c'est comme ça. Non, c'est attendez, chaque... d'accord. Mais ça peut être vrai ce que vous dites, hein. Mais enfin, je veux dire, ça contredirait ce que vous avez déclaré devant le magistrat instructeur, devant le juge d'instruction, quand on a recueilli votre déposition. Vous avez déclaré, j'ai vu, quand j'étais en service à la DDS, Monsieur Hissen Habré venir personnellement à la DDS pour rencontrer le directeur de la DDS, Monsieur Younous Saleh. Et vous avez précisé, il venait 2 fois par mois. Donc pendant toute votre période où vous étiez en service à la DDS, combien de fois avez-vous vu le président Habré ? Je l'ai vu 5 fois. Combien ? 5 fois. Dans le PV, vous dites 6 fois. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir ? 5 fois, 6 fois ou 12 fois ? Ou plus ? Quel est le bon chiffre ? Monsieur Marabi, est-ce que vous étiez à la DDS, vous aviez assisté à des scènes de torture, personnellement. Vous avez vu, vous étiez présent pour assister à des scènes de torture. Torture, je vous ai dit que c'est mes éléments qui sont là, qui attachent les gens. J'ai dit. Et vous assistiez ? Oui, j'étais là, mais j'étais chef de poste, j'étais là avec eux. Vous assistiez aux scènes de torture ? Oui. D'accord. Qui était votre chef direct à la DDS ? Chef direct. Oui. Chef direct de la DDS. Oui, votre chef direct, comme vous dites dans votre déposition, mon chef direct était Monsieur Untel. Qui était votre chef direct ? Le directeur, c'est le directeur Salinous et Issa Roy.
C'est mon chef. Dans votre déposition, vous avez déclaré que votre chef direct était M. Saleh Younous, c'est-à-dire le directeur. Oui. Et Sarwan. Vous n'avez donc aujourd'hui vous ajoutez son adjoint également. Oui, c'est son adjoint. D'accord. Alors, ma question est simple, si c'est possible, si vous pouvez y répondre. Oui. Est-ce que vous pouvez schématiquement, oui, succinctement, comme ça, nous dire quelle était l'organisation de la DDS, à peu près, les organes de la DDS, comment étaient-ils constitués hiérarchiquement? Puisque vous êtes un militaire, vous savez ce que c'est la hiérarchie. C'est à la DDS, moi je suis un militaire. À la tête, il y avait qui de la DDS? Qui gardait, hein, pardon? À la tête de la DDS, à la direction. La direction, c'est le directeur. Non? D'accord. Et après le directeur, qui a-t-il? C'est Issaroué. Qui est Issaroué? Oui, qui occupe quelle fonction? De exploitation. Qui interroge les gens. Oui, mais quel poste il occupait juste après M. Younous Saleh? Il était directeur adjoint, d'accord? Puisque c'était l'adjoint de M. Younous Saleh. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ça, c'est l'organisation du bureau de DDS. Mais moi, je suis un militaire, j'ai gardé les prisonniers. Moi, je ne peux pas aller dire que les gens là sont comme ça, les gens sont comme ça, non? Attendez. Oui, d'accord, mais vous avez travaillé quand même à la DDS, vous êtes un militaire. Vous savez ce que c'est la hiérarchie militaire? Oui, si c'est militaire, là, je dois savoir. Oui. Mais c'est l'organisation civile, oui. Moi, je ne sais pas. Et pourtant, vous dites que votre chef direct, c'est M. Younous Saleh. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire que je suis militaire, je ne sais rien de la DDS, alors que abondamment de la DDS et de ce qui s'y passait, etc., etc. Donc, vous comprenez, je veux essayer simplement de voir clair avec vous, M. Marabi, c'est tout, hein. Je ne vous accable pas, hein. C'est pour voir avec vous. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un coordonnateur? Est-ce que vous saviez qu'à la DDS, il y avait un coordonnateur, un contrôleur, des chefs de service, des adjoints aux chefs de service? Je ne connais pas leur nom. Non, pas leur nom, mais les postes, vous ne les connaissiez pas, non? D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'était M. Younous Saleh, le directeur, votre chef? Pourquoi dites-vous que c'est M. Younous Saleh, le directeur de la DDS à l'époque, qui était votre chef direct? Pourquoi vous utilisez le mot direct, c'est ça? Vous auriez dit M. Younous Saleh était mon chef? J'aurais pu comprendre, effectivement, que... Mais pourquoi vous dites c'était mon chef direct? Pourquoi vous ajoutez le qualificatif direct, mon chef direct? Est-ce à dire que c'est à lui seul que vous aviez des comptes à rendre? Est-ce que c'est à lui seul que vous rendiez compte? Ça me manque de français que j'ai dit ça. Sinon, si je connais, je vais aller aussi en ordre. Justement, quand on manque de français, comme vous dites, c'est ça. On n'adjoint pas des qualificatifs à des compléments, etc. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous auriez dit, c'est mon chef. J'aurais pu le concevoir, mais vous dites, c'est mon chef direct. Alors moi, je vous demande pourquoi. Bon, on ne va pas vous en tenir rigueur. Vous avez été mis aux arrêts. Dans quelle cellule? Cellule? Et je suis cellule A, non? Cellule A. Ah, d'accord. Vous étiez avec qui? Quel type de prisonnier? Pardon? Avec quel type de prisonnier? Des prisonniers de droit commun? Des prisonniers politiques? Des détenus politiques, non. Ils nous ont mélangé comme ça. Ils ont organisé que ça, c'est son politique, ça, ce n'est pas ça. Non, c'est la prison. Les gens, nous sommes contrôlés comme détenu politique. Vous étiez comme détenu politique? Oui. Quand vous avez été libéré, il est spécifié dans votre ordre de libération que vous aviez été retenu pour les besoins d'une enquête. Oui. Et qu'il s'est avéré par la suite que le motif était politique. Vous confirmez que le motif de votre arrestation était politique?
Est-ce que vous confirmez devant cette cour que le motif de votre arrestation, en réalité, était un motif politique ? Est-ce que, monsieur Marabi, vous pouvez confirmer devant la cour ? Mais ils m'ont dit que pourquoi j'ai... Ça, ce sont des codos. Pourquoi je les ai donnés à manger là ? C'est comme une politique, non ? D'accord. C'est ça qu'ils ont considéré comme ça. Donc, les deux ou trois personnes à qui vous aviez donné à manger, c'était des codos ? Les gens disaient comme ça. C'est leur idée. C'était des codos ou ce n'était pas des codos ? Ce sont des commerçants. Ce sont des ? Commerçants. Des commerçants. Oui. Ils étaient dans la cellule des détenus politiques. Oui. C'est ça ? C'est ça même. D'accord. Voilà, j'en viens et je termine par ça. Donc à cette question, vous avez répondu parce qu'on vous a posé la question hein, en 84, lorsque vous étiez en service à la DDS, qui était votre chef direct ? Vous avez répondu, c'était Saleh Younous, en tant que directeur de la DDS, qui était mon chef direct. Et vous dites, à l'époque, elle dépendait. Vous parlez des... Vous dites que la DDS n'était pas placée sous l'autorité d'un régisseur. C'est bien ça. La DDS n'était pas placée sous l'autorité d'un régisseur. C'est bien ça. Sous l'autorité, c'est-à-dire celui qui commandait la DDS, il n'y avait pas de régisseur à la DDS, autrement dit. La DDS, non, c'est la DDS, le régisseur, là, qu'ils ont amené au local, là, non. C'est pour la DDS. Et vous dites, à l'époque, la DDS dépendait du chef de poste, qui était un gendarme servant à la BSIR, un certain Néoubé Arnaud, qui n'est plus de ce monde. Oui. Qu'est-ce que vous avez Néoubé voulu Néoubé dire Arnaud. Oui, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? À la DDS, il y avait un directeur. La DDS dépendait de l'autorité d'un directeur, d'un sous-directeur, etc. Vous avez connu un certain Banjim Bandoum. Est-ce que vous avez connu, à l'occasion des fonctions que vous occupiez à la DDS, un certain Banjim Bandoum? Bonjour. Oui. Vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble. Oui. Vous entreteniez avec lui de bons rapports. Non. Donc, on est de même service. Ils étaient avec nous à la brigade. C'est là qu'ils les ont détachés comme des agents à la DDS. D'accord. Nous sommes ensemble. Et vous le connaissiez bien. À la brigade. Vous le connaissiez bien. Et on travaille ensemble. On travaille ensemble. D'accord. Vous aviez de bons rapports avec lui ? Non. Ou normaux ? C'est le service seulement qui nous a réunis. Lui, il travaille, ils l'ont affecté comme agent à la DDS. Moi, je garde prisonnier ici. Quel rapport on va prendre encore ? D'accord. Je vais finir par cette dernière question. Quand vous affirmez que Monsieur le Président Hissène Habré venait dans les locaux de la DDS nuitamment, deux fois par mois, vous l'affirmez. Est-ce qu'il visitait les cellules ? Non. Non. Alors, quand il arrivait et que vous le voyez arriver, qu'est-ce qui se passait ? Il arrivait avec ses... Vous nous dites avec quatre gardes du corps, il arrivait... Vous nous avez expliqué qu'il arrivait en djellaba, si je ne me trompe. C'est un vêtement traditionnel, ok. Et donc, il venait voir M. Younous Saleh, c'est ça? Oui. D'accord. M. Younous Saleh allait le recevoir à l'entrée
ou comment ça se passait? Vous pouvez nous décrire un peu juste cette scène entre le moment où il arrive? Au moment où il arrive, là, nous sommes des militaires, on le salue, il est passé, trouver le directeur. Ce sont eux qui vont parler là-bas. Nous, on regarde nos services ici. Nous, on n'est pas là pour parler avec eux ou écouter. Je comprends, M. Marabi. Je sais, je ne vous reproche pas de ne pas lui adresser la parole. Mais à ce moment-là, est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que, est-ce que vous étiez au courant que... C'est ce qu'on dit, hein. C'est ce que la rumeur dit. De partout, hein. C'est pas un secret pour personne que le directeur de la DDS se rendait quotidiennement à la présidence pour rencontrer le président Abré. Vous êtes au courant de cette rumeur? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Vous n'êtes pas au courant de cette rumeur qui dit que il est établi directeur de la DDS allait tous les jours, se rendait tous les jours ou allait faire visite au président Abré. Au moins une fois. Il y en a même qui ont dit qu'il y allait plusieurs fois dans la journée, des fois. Alors, comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. Le besoin pour le président Abré de venir nuitamment se déplacer pour venir rencontrer le directeur de la DDS dans les locaux de la DDS. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'attendre le matin pour qu'il aille le voir? Et de ne pas venir deux fois par semaine, deux fois par mois, nuitamment. Comment vous expliquez ça, dans votre entendement, vous? C'est-à-dire dans votre compréhension, pour ne pas dire entendement. C'est-à-dire comment vous le comprenez? Vous n'avez aucune idée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la Cour. Je vous remercie, Monsieur Marabi. Maître, vous attendez, la défense n'a pas terminé. Veuillez vous tendre votre micro, maître. Merci, Monsieur le Président. La défense ne posera plus de questions. Elle en a terminé. Bien. Monsieur le Président, je peux vous demander la parole une minute. La richesse d'un débat, c'est la contradiction. Je n'ai absolument rien contre le fait que la partie défendresse choisisse ses questions et veuille humilier les témoins. Mais il y a une chose que je vous demanderai pour l'avenir, elle est essentielle, c'est qu'on puisse faire des commentaires. J'ai sous les yeux les archives qui parlent, et chacun a sa version, mais je vais pouvoir y répondre, non pas de 600, mais de 61. Je peux vous donner la cote des archives, elle est derrière moi. Alors, se moquer pendant 10 minutes de quelqu'un qui croit que 24 mètres carrés peuvent contenir 600 personnes, pour moi, c'est trop. Je veux pouvoir répliquer, nous voulons pouvoir répliquer autrement que simplement par nous faire rabrouer. Il est un principe essentiel, c'est que dans 3 mois, nous ne pouvons pas accepter de répondre à ce qui se dit maintenant. Ce que la partie adverse a dit à propos des cellules n'est pas exact, comme dans d'autres domaines. Je vous demande de laisser à un moment donné au... partie chacune le soin de faire un commentaire. Maître. Monsieur le Président. Maître voudrait certainement donner les références. Tout à fait, c'est ça. Ces chiffres. Ok. Cote 2039. Dès 2039, page 3, c'est encadré. La cellule C, dont les dimensions étaient d'environ 6 mètres de long et 4 mètres de large, accueillaient 600 à 700 prisonniers de guerre. Point. C'est l'évidence, hein. Enfin,
quand on veut ridiculiser